Eh bien bonsoir, on se retrouve sur Mario et Lapin Crétin. Donc la dernière fois on s'était laissé dans le désert. Donc on avait fait le combat qui était assez compliqué là avec les avec le moulin. On a essayé de défendre les engrenages. Donc on a finalement réussi avant la fin du stream, mais. Et c'était pas ça un peu, on a même perdu une fois dessus. Ça s'était joué à pas grand chose, mais on avait échoué. Donc bon, on va reprendre. Apparemment, il y avait un problème avec Momo. Donc on va aller voir Momo. Et je pense qu'on va devoir fight la dernière chasseuse de Sparx avant le monde final. Donc est-ce qu'on finira le jeu ce soir? C'est pas impossible. Mais ça dépend si les combats de boss seront longs. Et ça dépend si le dernier monde c'est un combat entier. Sinon, peut-être qu'on se laissera devant le combat final. Et on se garde pour jeudi. Comme ça, jeudi, on fait into combat final, into on retourne dans des mondes pour faire des petites missions secondaires. Voilà. Ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. Bon, déjà, on va essayer d'aller jusque là-bas, mais. En tout cas, cette semaine, on termine le jeu. F, probablement. Donc, let's go. Let's go, let's go, let's go. Et lui, il y avait des ennemis chiants aussi. Les Kamek, ils sont violents, les Kamek. Ils sont violents. Alors, je suis là. Je suis là, je suis là. Alors, pour tourner au garage de Momo. On va voir si on s'en fait pas un petit combat sur la route, histoire de s'en remettre dans le fight. Mais il y a un truc qui est pas activé là d'ailleurs. Est-ce que je peux l'activer? Est-ce que. Un vrai chantier. Niveau 29! Ah, mais j'ai pas de niveau là. J'ai pas de niveau. J'ai niveau 26. Mais c'est vrai que le niveau max de cette zone, c'est niveau 29 en plus. Donc je sais pas si ça va être ce niveau du boss final, mais. On avait lu ça? Oui, on avait lu, ça me dit quelque chose. Ah mais oui, ok, vu, on est là. Ok, ouais, je vois. Je vois, je vois, je vois. Y a rien là? Non. Bon, on va retourner voir Momo. Aïe. Hey, on perd pas mal de pièces là. Hein. Là, on était pas loin des 3000. Hein. On est vite redescendu avec toutes les... Enfin, avec la violence qu'ils m'ont mis là, les mobs. Ça a pris cher. Non, on a pas essayé le canon encore. Ouais. Oh le pauvre! Ah mais on est déjà revenu il y a un moment. Et comment on monte là-dessus? Peut-être un chemin invisible. On se fait des petits tours de canon là. Wow. Ah mais attendez. Est-ce que... Ce serait pas là? Oh, même pas. Merde. Ah, par contre, il y a des petits raccourcis. Nice. Quoi ça? Confusion, brute 66. Oh, vas-y, on peut tenter ça. On peut tenter ça. Hop. Niveau 26, c'est pas trop haut niveau. Ça, c'est pas avec des persos prédéfinis, donc go. Go, go, go. Faut que je me remette dedans là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du Mario Lapin Crétin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vaincre 12 ennemis. C'est beaucoup. Alors faites-moi revoir un petit peu. Alors eux ils étaient chiants je crois. Ils sont faibles à l'électricité donc c'est cool, j'ai peut-être une idée de comment on va les fumer eux. Il n'y a pas 12 ennemis encore, pour l'instant ils sont que 6. Il n'y a que la moitié. Bon. Ouais ça va pas assez loin. Ou si...
Oh la dinguerie. On va se faire ça là. Au fond, qu'on leur fasse masse dégâts, eux, pour s'en débarrasser. Bien. Ah, mais l'électricité, du coup, il a un peu servi à rien. Ça a fait masse dégâts au premier, mais. Ça a pas électrocuté les autres, malheureusement. Ah, mais ça va, ça passe à travers les. Ok. Bah, go fumer, eux, hein. Faut s'en débarrasser. Ah, si tu brouilles ton pote derrière là. Non, non. Ça me paraissait trop facile. Ah oui, ok, j'avais pas vu, ils peuvent monter ici, hein. Oh lolo. Ah, par contre, ouais, Mario, il tire pas assez loin. Hein. Je crois pas que je puisse augmenter la portée encore pour l'instant. Après, si je me mets là. Attends, je veux revoir eux. Eux, ils sont faibles aux cyclones et c'est les maléfices. Ah oui, ils invoquent des larbins. Ah, mais en vrai, on peut les laisser invoquer des larbins et comme ça, on les tue. Hein. Ils seront moins chiants, je pense. Je sais plus s'ils visent loin ou pas. Tu vois, dans tous les cas, on va se débarrasser de lui. Hop. Ah, il meurt. Il est pas mort. Mais il est très bon. Ah, il me touche. Faut pas que Mario il meure, hein. C'est lui qui peut soigner mes... Il peut ressusciter mes lapins, donc. Enfin, mes perso. Après, je peux peut-être aller vers lui pour lui faire un petit tac s'il est assez proche. Non, il est pas assez proche, ce bâtard. Ouf. Non. Ah, mais je suis trop loin. Hop. On se débarrasse de lui. Ah oui, c'est vrai qu'on avait amélioré pour que quand on tue un ennemi, ça me donne de la vie. J'ai oublié. Yes. Intéressant, intéressant. Ça, c'est chiant. On va te cacher là, mon petit Mario. Est-ce que je peux les atteindre, eux? Ah, ils sont trop loin. Hein. Ah, ils vont être chiants. Je me demande si je vole assez loin pour pouvoir aller là-bas. Avec un saut. Je vois. Bon, on va passer un tour. Bien. Rapprochez-vous si vous voulez. J'ai plus de cache-tête. Ce qui pourrait être pas mal. Ah ouais, je l'ai pas récupéré. Et lui, on est d'accord, il est faible au feu. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que je peux en atteindre un autre? Non, ouais, le problème c'est qu'ils sont trop loin, mais si je m'en fous, ils vont faire trop mal si. Si je le laisse. Est-ce que toi. Ouais, toi on peut toucher lui. Donc on va améliorer la puissance. Et lui. Ah oui, non, mais non, c'est l'autre qu'il faut que je tue, c'est l'autre qui fait plus mal. Lui ça va. En plus, il s'approche pas. On va faire ça. Et on passe. Il
Ah, ça a pas activé Mario. Oh, ça doit arrêter là. Mais c'est... Mais en fait t'avais pas caché derrière quoi. Oh, t'avais pas caché. Du coup ça m'emmerde. Ah ouais c'est ça, il était pas caché, putain. Quel enfer. Oh, je peux en toucher deux là-bas, c'est pas déconnant. Hein. Le problème c'est que je vais avoir besoin de soins. Au pire on tente pour un tour. Comme ça avec Peach on attaque, au prochain tour on soigne. Ah mais ça va pas assez loin. Merde, je pensais que ça irait assez loin, fais chier. Bon bah... Elle va brouiller tout le monde. Ouais. C'est pas du bon côté. C'est dommage. Au moins... Avec Mario, on va se cacher. Je veux pas. Ok, parfait. Ok, on se met là. L'autre on va laisser s'approcher comme ça on va tirer dans le tonneau. Parfait. Ça, ça va faire mal ça. Non, trop risqué. En vrai en plus il devrait mourir parce que... Oh mais attends, mais je sais comment l'avoir. Ok, attention. Et... Ah, l'autre il va mourir par hors limite. Let's go. Oh, faut qu'on tue celui qui est en avant là, il va faire trop mal. Oh, faut qu'on le tue en priorité. On va soigner tout le monde. Alors, non, pas tout de suite. Hop. Merde. Ok. Avec le pouvoir de Mario, il devrait mourir. Ok, let's go. Un problème. Ah, par contre, je suis encore pas caché. T'abuses. Ça va, il me tire pas dessus. Putain, ah si, toi tu me tires. Ouais, tu tires de loin. Hein. Bon. Faut qu'on achève le gros. Reste là, on s'en cache.
On va le faire tomber. On va l'éloigner au moins. Donc tu vas peut-être mourir en plus. Après, il va falloir avancer parce qu'ils veulent pas sortir de leur trou là-bas. Mais ouais, vaut mieux pas que j'aille avec Edge. Mais putain, mais ils veulent pas se cacher derrière le mur, c'est abusé. Trop chiant. Bon. Non! Ouah, 1000! Ouah, elle a pris cher. Elle a pris cher, la pimpiche. Mais je peux me soigner. On va faire un petit soin global. Alors, la meilleure chose à faire. Toi, on va bien te mettre au bout. Hop. On va être caché. Et tu vas servir de tremplin pour Edge, qui va se préparer pour après, pour leur balancer un petit truc d'électricité dans tout ce beau monde là-bas. Au prochain tour. Ouais. J'ai touché personne là de toute façon. Ah. En vrai, on peut aussi y aller avec Capin Pluche. Ah! Mauvaise idée. Oh, lapin. Attends, si c'est bon, je vais pas jouer encore. Merde, non, je peux pas. Ah. Ah ah ah. Résiste. Ok, c'est merde. Ils m'ont pas tiré dessus. Moi, oh, j'ai de la chance. Allez, vas-y, hop. Je sais pas si ça va tous les toucher, mais... Bon, vas-y, au moins deux. Ah oui, c'est bon, ça les touche tous. Hop. Toi, tu dégages. Oh non. Il va, il les a pas brûlés. Tellement de vie. Allez, on va faire ça.
Ouais, wow, il tire de tout là-bas. Ah ouais. Oh toi. T'as pas de chance. Aïe. Bon, elle, je te offre, hein, donc va pouvoir y aller. Oh oui. Ok, on fait masse de gueule. Parfait. Il faut en tuer encore 4. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, si je me mets là? Ça revient bien. Tu veux pas tuer les 4 là? Ah ouais, ça touche pas. Ça le touche pas dans tous les cas. Ah, ils sont mal placés, hein. Après, je peux faire ça. Hop. Ouh, ça fait mal, ça. Ouais, peut-être pas une bonne idée. Est-ce que je peux faire un truc d'ici? Ah, pas vraiment. Oh, yes. Go, 2 kills. Allez, vas-y, on passe. Désolé Mario, c'est pour la bonne cause. Ouais, un portail qui spawn. Ah, organisation et récupération du Sparks. Ça c'est bon ça. Monte-toi. Hop. Toi tu meurs. Tac. Et est-ce que avec Mario? Oh ouais. Faux critique ? Dommage. Bon. Au prochain, il meurt. Au prochain tour, c'est gagné. Non, biche. Ok. Oh putain. Ouais ouais ouais, faut les HP là. Mais ça va. Et j'ai pas fait, j'ai pas regardé si on montait bientôt de niveau ou pas. Ouais, des pièces. Bon, cet endroit ne cache à rien en tout cas. On va se soigner, c'est important. Et puis let's go, hein. On va aller voir ce qui se passe avec Momo et puis go le boss, je pense.
Ok, on n'avait pas débloqué les raccourcis encore. Parfait. Alors, c'est ici, non? Y a personne, c'est louche. Bon, on va économiser nos pièces hein, pour l'instant. Y'a rien dans le buisson. Ah, mais y'avait un cadenas, mais y'a plus de cadenas maintenant. Oh non. C'est pas rassurant. Hein. J'espère qu'elle va pas prendre le contrôle de mes persos pour les retourner contre moi. Hein. La chasseuse du canyon. Daphné. Oh, regardez, une personne inconnue a fait de maman sa prisonnière. Je savais que sa dernière transmission était étrange. Daphné. Daphné, espèce de... Doucement, doucement. Edge, il vaut mieux garder toute sa tête. La partie va durer longtemps, tu sais. Alors, on s'enfuit ? Vas-tu encore t'enfuir pour tenter de sauver ta peau ? Et me laisser me servir de moment comme d'une cible. Où vas-tu essayer de la sauver? Tu échoueras, bien sûr. Et ta quête pour Cursa. Et ta quête pour arrêter Cursa prendra fin, pardon. Toute ta galaxie souffrira. Je serai gentil. Jamais tu ne pourras arrêter Cursa. Mais moi, au moins, je promets d'être beaucoup plus miséricordieuse dans la victoire. Alors, quel sera ton choix? Waouh, les Goombas. À couvert. Daphné est une tireuse d'élite à distance. Si on fonce bêtement sur elle, on n'a aucune chance. Du coup, il n'y a pas d'eau aux concombres. Et sur la compte. Ah, donc faut se débarrasser de lui, hein. Et sinon, il va nous faire tomber et on va être à découvert. Résistance toxique. Elle se prépare à attaquer depuis une position surélevée, là où elle est entièrement protégée, même derrière un abri partiel. Elle peut tirer deux projectiles sur deux cibles distinctes. Elle use d'effets toxiques sur ses ennemis lorsque ceux-ci sont trop proches. Ok. Attends, eux ils sont faibles à électrocution, hein, ouais. Attends. Ok. Mieux, il est un peu trop proche à mon goût. Oh, faut lâcher pas en priorité. Hop. Donc ce qu'on va faire c'est... Ah, allez. Ok, il est mort. Vite, on recule. Let's go. Il est trop loin. Mais on peut casser les abris. Comme ça. Hop là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On va rester comme ça, je pense. Ok, il va falloir faire gaffe au Goomba aussi. Ok, attention, il s'approche un peu trop. Ah
M'attendez pas à ce qu'elle casse mes défenses comme ça. Oh putain. Elle est beau. Oh là c'est beau ça. J'aimerais bien aller là-bas mais je sais pas si je vais avoir assez de distance en vrai. Parfait. Ok, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Putain, faut pas rester là. On peut tirer dessus. Oh, c'est la merde, hein. Alors, j'aimerais bien tenter. C'est ça. Ok. Je sais pas ce qui va sortir de des portails, mais je sens les trucs qui m'éclaboussent. Ah d'accord. Ah ouais d'accord. Oh toi. Alors, ce qu'on peut tenter. Hop. Ça pour commencer. Ensuite, Mario. On prépare ça. Comme ça, il n'a pas un piche. Hop. Je pensais pas que ça la renverrait de ce côté-là. Et... hop là. Mais ça paraît trop simple.
Ça sent le combat à trois phases. Oh my god. Oh non, pas eux. Ok, on redémarre la game full vie. On va faire ça, on va faire ça. On va faire comme celui d'avant. On va dégager celui qui est le plus proche le plus vite possible. Donc hop. Voilà. Parfait. Alors attendez, où sont un peu tout le monde? Oh putain, il y a un sniper là-bas, ok. Sniper. Il y en a un autre ici du coup. Je vois. Alors ce qu'on va faire c'est... Hop. On va aller là-bas avec Peach et Mario. Edge. Là, tu vas partir là-bas. J'allais dire que je me suis boosté pour loin, pour rien, mais en vrai... J'ai quand même pu tuer celui qui était trop proche. Donc c'est pas rien. Oh, vas-y, repasser. Ah mais je vais plus pouvoir avancer du coup. Alors ça dépend, on peut focus lui, histoire d'être tranquille. Ouais vas-y, on va focus lui. Ah non, mais il résiste à ça, je crois. Ah non. Ok. Allez, meurs. Allez, on passe. Parfait. Ok, ils sont pas assez proches pour me défoncer la gueule. Par contre, ok, l'autre il m'a touché. Ok, là c'est la merde. Là c'est... Ouais. Là c'est mal barré.
On va faire ça. Et on va la faire partir un peu en solo de toute façon. Faut juste espérer qu'elle craque pas. Ok. Mario. Déjà on va se soigner. Alors, ouais, je ne tue pas. Hein. Je ne tue pas. Je suis dans la sauce. Oh, elle est pas morte. Oh, ça c'est bien wedge. Hey Mario. Je peux pas bouger. Ça. Bon, Edge, tout ce que je te demande, c'est de survivre ce tour-là. Ok. J'avais l'impression qu'il faisait plus mal en vrai avant, donc ça va. Oh le connard. Oh non, c'est devant Mario là. Ok, on lui fait des dégâts. Normalement, ils sont restés loin. Donc, je pense que lui, on peut le fumer comme ça. Bien. Par contre toi, attends, si toi en vrai on peut faire ça, on va se soigner. Toi t'es assez loin.
Mario résiste. Ça fait mal. C'est quoi? Putain, c'est ça. Oh, mais il est descendu. C'est Nuos. Ouh. En vrai, c'est pas plus mal parce que du coup, il m'a renversé. Je fais peut-être le fou. Point d'action obtenu. Oh ouais. Oh ça c'est dinguerie. Comme ça on fait ça. Désolé Mario, mais c'était pour la bonne cause. Ah bon, on l'a vu. Oh la dingue. Ok, donc il y a une troisième phase. Ça va être chaud. Ah du coup, j'ai peut-être utilisé du sang pour rien. Merde. Oh oh, je vois des ennemis que je n'aime pas. Oh non mais ce combat c'est... C'est indécent la longueur du combat en fait. C'est lui qui a résisté à l'électrocution, ok. Ah non, mais c'est horrible, je déteste cette putain d'ennemi là. Je les déteste. Merde. Est-ce qu'elle va me toucher de là-haut? Ok, la bombe ça l'a pas activé.
Ok. Ah ouais. C'est hardcore. Ah, il m'emmène loin en fait ce truc. Ah ouais, ça c'est ce qu'on appelle dans la merde. Oh bordel. Ah mais non, mais ok, c'est pas ceux qui avancent quand on attaque. Ok, donc toi tu peux... tu meurs. Rentre chez toi, va. Dessus. Ok, bah, il est descendu pour remonter. Aïe aïe aïe. Ouh, la pimpiche. En vrai, je pense que je suis caché là. Oh putain, il y en a un autre là. Ensuite toi. Oh ouais. Ça bouge pas ce con. Non. Et putain de merde. C'est ce que je redoutais avec lui, putain. Non Mario, merde pas. Putain Mario. Oh, je crois que je vais pas la réussir ce combat. J'ai perdu mon soigneur. Enfin, celui qui pourrait ressusciter en tout cas. Ah putain. Comment tu veux que je réussisse ça? C'est parti.
Non, faudrait que je fasse l'inverse. Je peux pas, putain. Après là, t'es caché, quand même. T'as juste le con derrière, mais sinon t'es caché. Mais où le truc de poison? Ah merde, il est en dessous. Du soin, c'est bien. Oh non. Waouh, mais c'est chaud, hein. C'est la merde. Je sais pas ce que je fais, mais on tente, hein. Oh, y a eux aussi là. Ah mais là ça va être perdu, hein. Et en plus je suis obligé de tuer l'autre pour passer. Ah ouais, non mais c'est long, hein. À moins que... Attends. Ah ouais, mais en vrai, si je passe, je suis tranquille. Je fais le feu. En vrai, s'il tente pas de m'attaquer. Oh, j'ai peut-être fait une masterclass en vrai là. Faut juste pas faire une erreur et la faire tomber en bas. Ok.
Attends, attends, non, on est en train de partir en full masterclass, c'est pas possible. On passe. Que les gros, ils peuvent plus m'atteindre. Ceux qui sont à côté, ils me tuent. Et le seul moyen qu'elle me touche, ça va être la toxine. Ouais, c'est la toxine. Oh. Bah, je crois qu'on a fait une putain de masterclass avec Cap'n Peach, là. Hop, on part là-dessus. Oh, brûle. Ok. Heureusement que le toxique ça me fait pas beaucoup mal. Hein. Ah, mais j'ai pas vu, est-ce que les autres connards ils la soignent? Non, ils mettent du bouclier. Allez! Ça a crevé, oui! Ah ouais, s'il soigne, hein. Ouais, je pense que je finirai quand même par l'avoir. Je pense qu'il soigne moins que je lui fasse deux dégâts. Surtout avec le feu. Elle met un bouclier. Ok. Allez, dites-moi que c'est bon. J'ai peur qu'elle suffise pas en fait. Donc on va dégager lui. Ah, elle reste en dessous quand même. Oh la pute. Le combat de l'infini. Bon, en vrai, je pense que dès que je récupère mon Spark de feu, il y a moyen que je le tue. Ah, hop. Allez! Non? Je veux pleurer.
Il a soigné, il avait plus de vie. Pour l'amour de Dieu, il a crevé, oui. Vas-y, mets bouclier. Parfait. Oui. Oh putain, on a fait ce boss du premier coup. Incroyable. Wow. Juste incroyable en fait. Là du coup. Nice. Oh, on a eu un souvenir. Oh putain. Oh my god. On s'est échappé. L'harmonie, elle est possédée. Oh my god. On est tous revenus ici. Harmonie? Harmonie nous a sauvés. Ce cristal est la preuve de son courage. Mais pourquoi est-elle prisonnière de ce truc? Cursa, ce truc. Et Cursa. Et oui, Harmonie est fermement sous son contrôle. Elle n'est pas responsable, lapin Harmonie. Mais si on peut pas arrêter Cursa, et Harmonie peut pas se libérer toute seule, alors... Alors elle est perdue pour toujours? Lâchez l'axe. Je crois savoir ce que tu ressens, car je le ressens moi aussi. Mais je sens aussi quelque chose d'autre. Bien que triste, je suis déterminée, optimiste même. Je suis... pleine d'espoir. Oh, c'est le moment. My god. Vous verrez. Votre petite IA n'en est peut-être qu'à ses premières émotions. Mais regardez bien ce cristal, et vous verrez qu'elle a raison. Qu'est-ce que c'est? Le Megabug, une abomination partiellement créée depuis l'ADN mutant des lapins crétins. Nous pensions l'avoir vaincu. Et pourtant, un fragment a survécu. Et il a flotté sans but dans la galaxie. Alimenté par des débris stellaires, il a lentement muté une fois encore. Progressivement, il a développé une conscience. Désireux de grandir, il s'est nourri des énergies de la galaxie, se transformant finalement en Cursa. Un jour maudit, des lumas s'amusaient à jouer avec des lapins crétins de passage. S'intéressant à la puissante énergie émise par la joie des lumas, Cursa fut attiré jusqu'à l'observatoire de la comète. Cursa s'approcha. Tout en masquant sa présence. Personne ne put sentir son arrivée.
jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au tout dernier moment, une héroïne de grand courage décida de s'interposer entre les Luma et Kursa afin de les protéger. Les lapins crétins et les Luma furent sauvés, mais quelque chose d'horrible se produisit. Une gigantesque réaction énergétique. Les lapins et les Luma furent projetés très loin. Ils fusionnèrent, créant une puissante nouvelle espèce, connue désormais sous le nom de Spark. Mais une autre aussi fusionna, avec Kursa. Kursa était aux commandes, mais elle sentait que l'héroïne combattait cette union. Afin de soumettre à tout jamais la volonté de l'héroïne, Kursa doit attirer les Sparks jusqu'à elle et absorber leur pouvoir. Elle créa ensuite une armée, faite de lapins crétins transformés et de soldats de Bowser hypnotisés. Et pour les mener au combat, les chasseuses de Sparks. Et pourtant, l'héroïne ne craint pas Kursa. Depuis le commencement, l'héroïne sait qu'elle peut compter sur ses amis. Qu'elle peut compter sur nous. Watch Alex. Gardons espoir. Harmony sait que nous arrivons. Voilà pourquoi elle nous a envoyé un message. Si elle sait que nous pouvons l'aider, alors c'est qu'il y a un moyen de le faire. Autant pas la faire attendre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une brise bouclier à prendre. J'ai un brise bouclier à prendre. Oh my god. Et si... Un canard. Ce n'est pas vraiment la puissance de feu à laquelle je m'attendais, mais je vous fais confiance implicitement, maman. Nous avons tout juste assez d'énergie de confusion purifiée pour atteindre la forteresse de Kursa. Waouh. Donc on va voir la forteresse. Pas, surtout. On va voir la forteresse de Mario Galaxy 1. Ce sera une dinguerie, ça, en vrai. Ce sera une dinguerie. Alors n'oubliez pas, c'est pas mon brise bouclier qui sauvera Harmony. Vous avez d'espoir, oui, mais vous devez surtout rester unis. Oh ouais, le Bowser il est chaud là, je sens. L'unité. Unité, il n'y a que ça de vrai dans ce, en ce bas monde. Merci maman, nous ne l'oublierons pas, c'est une promesse. Et bah alors. Eh bien alors, Nif, qu'est-ce que vous attendez? Nom d'une quête 12, j'ai pas la journée moi. Nif, t'es en train de chalax. Arrêtez de chalax. Vengeance de moment. Ouais, niveau 28. Daphné, je veux souvenir. Ah mais il y a deux souvenirs. Ce fut au canyon d'Esperado que nous avons croisé la plus vile, la plus corrompue des chasseuses de Spark, Daphné. Elle joua avec nous comme le chat avec la souris, bien qu'elle ne descende ni de l'un ni de l'autre. Kursa a plutôt fait fusionner de l'ADN de lapin crétin avec une variété de roses grimpantes, de celles qu'on trouve dans les coins secrets des jardins au clair de lune. Daphné est sournoise et utilise ses épines avec talent, non pas pour se défendre, mais pour détruire. Mais du coup, Edge, elle a été créée avec quoi? Voir l'héroïne se libérer de l'emprise de Kursa, avant d'y succomber à nouveau, fit s'effondrer puis s'envoler notre bonheur. Fort heureusement dans cet ordre-là. Tout cela aurait pu se dérouler autrement, mais je voulais... Non, j'avais besoin de sentir de l'espoir. Ainsi, je trouvais mes raisons personnelles. Moment accepta, les héros se rassemblèrent. Et nous fûmes unis et pleins d'énergie. Une chose si intangible qu'est l'espoir. Et pourtant, cette chose est au centre de tout. Wow! C'est ce pouvoir. Il n'y a que 3 souvenirs dans la forteresse de Kursa, donc c'est peut-être pas un monde aussi grand qu'on a vu avant. Hein. Si c'est un monde. Après, c'est peut-être juste pas un monde. Peut-être qu'on va aller, on fait le combat final et so long. Hein. Bon bah let's go hein.
On finit le jeu ce soir, ça fait que jeudi on va faire que des quêtes secondaires, je pense. C'est que de la glace. C'est trop la tristesse. Bon bah go. Go dans la forteresse de Cursa. La forteresse de Cursa. Elle est peut-être impressionnante, mais souvenez-vous des paroles de Moment. L'union, nous devons nous faire confiance. Croire que ce qui nous unit nous rend plus fort que la peur et la colère que Cursa pourrait un jour répandre sur la galaxie. Bien dit ! Waouh ! Tu deviens vraiment forte à ce truc des émotions. Les copains ! Les copains, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, utiliser le brise-bouclier de Moment maintenant? Il veut tout casser. Oh my god. Oh putain. Le connard. Putain, mais lui, c'est totalement la forteresse. Oh, ça va être une dinguerie. Waouh! L'observatoire de la comète? C'est l'observatoire de la comète d'Harmonie? Il se passe quoi, Vinny? Les coordonnées de l'observatoire correspondent à celles de l'énergie de confusion, celle qui se répand aux quatre coins de la galaxie. Là, vous voyez la balise de l'observatoire de la comète? C'est le point d'entrée menant directement au cœur de la dimension de confusion. Non seulement elle manipule l'harmonie, mais elle détruit son royaume. Un symbole d'espoir pour toute la galaxie. Oh waouh! Mais qu'est-ce qu'on attend? On est là, Harmonie! On est là! Oh putain. La densité de l'énergie de confusion autour de l'observatoire a créé assez de pression pour neutraliser nos réacteurs. Cramponnez-vous, je vais devoir effectuer un atterrissage forcé sur les débris semés par la barrière de confusion. Ok, donc il va falloir aller jusque là-bas quand même. Oh la garde. Notre vaisseau n'a peut-être pas les moyens de s'approcher de l'observatoire de la comète, mais nous, si. Heureusement qu'il y avait des canons. Il y a un canon en or. Ok, donc dès qu'on sera là-bas, c'est le boss, c'est ça? Nous devons atteindre le plus grand, et de là, nous atteindrons Harmonie. Ok. Deux flaques de confusion nous barrent la route. Et comme elles sont proches de Cursa, elles seront incroyablement dangereuses. Ouais, let's go. Merci de me dire comment on chie. Ah oui. Eh bien, nous venons de briser les rêves d'invincibilité de Cursa comme le déménageur brise le vase de Tata Mireille. Mais c'est quoi cette métamorphose? On peut dire que nous sommes dangereux, nous aussi. What the fuck? Le vase de Tata Mireille, super. Attendez, parce qu'on a quand même eu des points de compétence là. Alors, est-ce que je peux m'ajouter un truc qui serait sympa? Héros. Oh, j'en ai 4! Oh oui! Dans ça. C'est. 100% de dégâts si la première éliminée à coup sûr, ouais. On a écrasement. C'est assez important ça, quand même, je pense. Continue de crever, malheureusement. Et on va prendre l'éponge à soin. Edge, t'as de quoi faire, toi? Charge une cible, améliore la zone de déplacement de 3 mètres. C'est pas mal, ça. Mais c'est pas mal, ça, en vrai. Y'a pas un piche?
Portée, ouais, mais à portée, on s'en fout un peu en vrai. Tiens, je vais augmenter ta portée d'armes. Et ça. Allez. Pas mal. Vas-y, est-ce qu'on fait pas E tant qu'on y est? Taux d'équipe supplémentaire, allez. Hop, parfait. Éponge à soin. Quoi? Hop. Fiche. Portée, déplacement, barrière d'aide saut d'équipe. Hop, allez, vas-y. Quoi? Sans limite. Attaquer ne met pas fin à la phase de déplacement. Ah ouais. C'est pas mal ça. Lapin harmonie. Hop, on va te mettre ça. Et Bowser. Portée d'armes. Hop. Vous atterrez moins que la zone. Allez. Pas mal. Et le Sparks. Il va neige. Ah oui, avec circulaire, ok, ouais. Bon, je pense qu'on est bien, hein. Tiens, qu'est-ce que tu vends, toi? J'aimerais bien me racheter un coffre. Qu'on a moins cher, à distance de acheter. D'ailleurs, toute confrontation directe avec Cursa annule la garantie. Allez, je vous laisse regarder. Ah, bah, super. Hop. Et hop. J'achète ce que j'ai utilisé. Ok, let's go. Ta majesté de Confusion Ombre. Oula. What? Oh putain, c'est quoi ce bordel? Vaincre Bowser de Confusion. Oh putain. Oh putain. Et du coup, on joue avec Bowser. Je vais peut-être changer ses Sparks alors. Mais que se passe-t-il? Putain, c'est. C'est le mode château de Bowser. Cursa étant le fruit du méga bug que vous avez rencontré lors de vos précédentes aventures, a hérité de ses souvenirs et les a utilisés pour façonner cette réplique de Bowser. Absolument! Le méga bug a pris le contrôle de Bowser, le manipulant comme un vulgaire pantin sans cervelle. Et tout cela pour rien. Nous l'avons battu à plate couture, devant Bowser Junior en plus. Tu t'en souviens, Bowser? Nous n'arriverons pas à empêcher Bowser de mener l'attaque. Il nous en faut trois en renfort. Oh putain, y'a du monde. 23 000 points de vie. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. Oh, les fuck. Allez, on va voir si. En vrai, ça devrait tenir quand même jusqu'à la fin du stream. Bon, alors attendez. Moi, j'aimerais bien essayer ça en vrai. L'invocateur. Lui, il m'intrigue. Après, on peut remettre le soin. Ou alors, on peut prendre l'armure. Mais je pense qu'on va partir sur le soin. Attendez, parce que, ouais, du coup. Vas-y.
Let's go. Niveau 5. Alors. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ces attaques infligent et peut réduire au silence et désarmer ses ennemis. Ah putain ouais. Oh là là, oh ouais mais c'est une dinguerie en vrai. Wow. Oh merde, j'ai tapé mon... Non. Mais j'ai tapé mon mec. Ah, j'ai fait la... Oups. Oups. Fuis, Bowser, fuis. Attends, faut que je regarde un petit peu où sont les ennemis. Alors, là, il y a Mass Boomba. C'est quoi cet étonneau là? Alors, faites voir. Il cherche à contrôler certaines parties du champ de bataille en lançant des attaques de zone et en invoquant de lapins mecha-koopa de confusion. D'accord. Donc, il y a les mêmes trucs que mon Bowser. C'est la merde. J'aurais peut-être dû attaquer en premier. J'aurais peut-être dû booster et tout. Ah, ça booste en même temps. Ah ouais. Oh la dinguerie. Ok. Parce que en vrai j'ai pas encore attaqué avec Mario. Let's go. Allez meurt. Let's go. Oh bordel. Est-ce que je peux leur tirer dessus? On peut leur tirer dessus. Ok. Ah, je voulais pas utiliser la pimpiche pour sauter, mais... Écoutez. Alors, est-ce que je peux les atteindre de là? Je peux atteindre eux. Donc si je les mets en feu, ça va en même temps mettre le feu au Goomba derrière, avec un peu de chance. Hop. Let's go. Ça les a pas tués. Putain mais ils ont masse vie.
Bob. Pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà, un petit peu. Yep. Ouh, faut que je fasse gaffe, il y a des Kamek là-bas. Il y a des Kamek, il y a des Kamek. Bon, vas-y, on passe. On va voir ce qui se passe. Je joue. Ok, alors vous. Dégage. Reste là. Tac. Non. Hop. Et hop là. Allez, Edge. T'as un bob d'ordre ici? Ouais. Hop. Elle recule un peu. Bam. Alors, un box là pour poursuivre l'ennemi le plus proche. Et le problème, c'est que là, l'ennemi le plus proche, c'est. C'est les Goomba. Donc, mieux vaut pas. Merde. J'ai merdé. Tu veux aller au front, mon petit Bowser? Ouais! Bam! Explose! Ah! Let's go! Bam! Il est pas découvert. Ah, c'est peut-être indestructible les trucs. Ouais. Putain, mais Mario, tu sais pas attaquer là. Allez. Ça fait si mal. Ça c'est la merde ça.
passe en plus. Mais il a rien pris comme dégâts le... Voilà, ribambelle de Goomba. Ah mais c'est toujours plus. Après c'était que des Goombas qui ressortent, ça va. Mario reste caché. Ok. On va remettre un dégoulineux. Allez, vas-y. Mais je suis obligé d'être par là. Let's go, on l'a eu. Ouais, je sais, batterie faible. Bon, vas-y, pas grave, je vais mettre en charge quand même. Ouh, ça me touche. Waouh, quel boss un peu là. Et violent ce combat. Oh non, d'autres Kamek. Résiste, Bowser, résiste. On attendait déjà à toi. C'est bon, je l'ai. Toi, lâche-moi. Trop chiant.
Mon prochain tour, il y a moyen qu'on puisse le tuer. Faut juste résister. Ah Bowser, je suis désolé, mais... Et qu'est-ce que t'es dans la merde hein? En vrai, j'ai une idée. Ah, c'est dans 3 tours que je pourrais ressusciter. Oh la vache. Non. Cacher toutes tes défenses et tout casser. Ah mais celui que j'ai invoqué il est déjà mort. Allez, dis-moi que tu meurs. Même pas. Oh, c'est trop long, hein. Oh, il m'a pas attaqué, le Kamek. Ça va pas toucher Bowser. Et casse-toi, toi. C'est un enfer parce qu'on lui fait pas de dégâts là. Si c'est pas où je suis, c'est bien pour moi. Sinon, c'est la merde. Oh là là, mais toujours plus de Kamek là. Ok, prochain tour, on pourra refaire vivre Bowser. Problème, j'ai plus rien pour me cacher, moi.
Allez, faut qu'on y fasse des dégâts. Dans la zone. Ok, repart en arrière, ça c'est m'arrange. Ok, une petite rangée de Goomba. Ouais, énergie de Parks. Hop. On va faire ça. Let's go. Parfait. On va essayer d'éloigner. Hop. Non, mieux vaut qu'il reste là pour l'instant. Oui. Hop. Ah putain. La papiche. Putain, la papiche est mort. Oh bordel. Allez, mets-toi là, toi. C'est pas vraiment ce heureux que je voulais que tu tires, mais bon. Ouais.
Hop. Ah mais attends. Si je veux retourner là-bas, au pire je retourne au début et j'utilise des sauts. Ça va juste être long en vrai. Est-ce que j'ai vraiment le temps de faire ça? Je sais pas. On va essayer de gratter du temps. Hop, ça, ça dégage. Ok, il repart. Oh merde, j'ai pas touché à Edge. J'ai oublié de déplacer. Putain. Et Goomba qui arrive là. Petite ribambelle. Ok, pour l'instant, Edge survit. Merde! Finalement, Edge ne survit pas. Pas prévu ça. Bon, attends. Voilà. Bon, Edge, écoute, désolé, hein. Qui est long ce combat, putain. Ok. Elle touche. Oh Mario. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais pas que tu tires sur lui, mais bon. Okay.
Bam! Vas-y, il a pas un pitch, on se casse. Ah mais je peux aller là, j'avais pas vu. Les dégâts. Ah. Winu qui va pas au fond et qui me prend un peu ma cachette du coup. Allez, casse-toi. Bien. Let's go. Oh oui. Let's go. Petite énergie Sparks. Ah, toi t'es chiant là. Oh bah c'est bon, il s'en va. C'est bien. Ok, parfait, il a pas pu me toucher. Il reste encore 10 000 points de vie. Autant dire que c'est la merde. Okay. Oh ça c'est un 50%, mais je suis haut là. Okay.
Bam. Ah oui, j'ai peur qu'il me touche en vrai. On va faire ça. Hop. Aïe. Ça va, ça fait pas mal. Ok. Donc il a réussi à être touché, mais au moins là à côté, je pourrais soigner les deux en même temps. Donc ça va. Hop. Oh yeah. Bah écoutez, on va continuer d'attaquer avec, avec Bowser. Oh, et pourquoi moi ils explosent tous? Quand c'est eux, ça en explose qu'un à la fois. C'est déloyal. Putain, mais ouais, ça donne beaucoup en vrai. Hop. Mais j'ai mes points de compétence. Ah ah. On va faire ça pour voir si je gagne un point d'action. Oh oui. Du coup. J'ai 2 points. Faut faire les dégâts alors. Idéal, ce serait qu'il attaque Bowser. Il a pas attaqué Bowser. Bowser est full vie. Hop, on met tout le monde full vie. Et on mitraille Bowser. Hop. Idéal, ça serait qu'il touche 2 fois. Ok, bon, au moins il a touché 1 fois. Ah,
Et Edge. Ah, ça a pas tué. À moins que. Adieu le boss. Ah, mais il faut. Oui. Woo. Let's go. Il aurait été très long ce combat. Waouh. Très très long. Le premier canon est libéré. Il sera notre accès vers la deuxième flaque de confusion. Ok. Si on l'élimine elle aussi, la voie sera dégagée vers un canon plus grand et l'observatoire de la comète. Ok. Ah oui, attends, moi je veux ça là. Waouh. Attendez, moi je veux la pimpiche dans ma team. Oh. Bowser, t'es sympa, mais Hop, vas-y, on va jouer avec Mario. Ok. Donc, le canon. Qu'est-ce que c'est? Un ténébreux secret. Qu'est-ce que c'est? Allez, go. Oh putain. Oh putain, c'est Edge. Oh, on joue avec Luigi. Vaincre Edge de confusion, moi. Oh putain. Jimmy, qu'est-ce qui se passe? Données manquantes. Pour que Cursa puisse créer un clone comme celui-ci, il lui faudrait une empreinte ADN du Megabug ou qu'elle en crée une elle-même. Écoutez-moi. Cursa n'a aucune idée de quoi je suis capable. Mais je vais lui montrer. Personne n'empêchera Edge de mener l'assaut. Il nous en faudra trois pour la protéger. Et peut-être nous protéger nous-mêmes. Ah non, parce que ok, normalement c'est Edge qui est obligatoire. Mais vu que je joue déjà avec elle, bah... Ah du coup je peux prendre qui je veux. En échange de Luigi. Bah ouais, on va prendre Luigi. Hein. Comme ça sera notre assaut de loin. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué avec lui. On va juste changer ses sparks et on va reprendre ceux de Bowser. Ils sont très cool. Hop. Attends. Comment ça a amélioré? Non, ok, c'est ce que j'ai redonné à Bowser, d'accord. Alors, 28678, c'est un peu la brûlure. La résiste à la brûlure. Ok, donc on pourra pas mettre le feu. Ok, il y a des snipers. Comment ça, Luigi, t'as pas la portée? T'es un sniper ou bien t'es pas un sniper? Bon. Bien joué, Luigi! Ah! Oh, bien! Le problème, c'est qu'ils sont un peu trop loin.
Il y en a un qui tente d'approcher, on lui tire dessus. Ok, et Edge. Ah merde! Il n'y a pas un pluche, il est parti en solo. Ah mais attends, mais non, mais au pire. Hop. Voilà. Bon, en vrai, ça sera pas mal de jouer avec eux. Hop. Bien joué avec les tuyaux pour se soigner à chaque fois. Hop. Ok. M'attendais pas à ce qu'il s'approche. Mais... Non ! On dégouline. Ok, merci le mur. Oh putain. Oh putain. Hop. Il n'y a pas intérêt à s'approcher lui. Je vais te sauver Edge. Voilà, tu vas pouvoir bouger. C'était pas prévu, mais waouh, dinguerie! Dinguerie! Ok. Ouais, reviens là toi. Oh oh. Ah ! Wouh ! C'est quoi cet enchaînement ? Résiste. Oh bordel. Oh bordel, on peut pas le casser. Ouais, faut bien le casser au bout d'un moment, de toute façon. Voilà. Ah, ça fait rien parce que il y a une défense.
Je sais pas ce qui va sortir du portail. Mais bon. J'espère que ce sera pas un truc horrible. Attends, viens toi. Ah, il est parti. La vue. Luigi, survie Luigi. Oh oh. C'est violent. Tu viens encore à corps ou pas? Non. Oh non. Fuite stratégique. Tout le monde au même endroit, vite. Luigi, tu nous défends. On doit pas se planter jusqu'à ce qu'on se fasse soigner. On doit défendre Edge et y a pas un pitch. Mets-toi là. Bon, mets-toi là. Allez. Oh non, la défense. Non. Non, c'est la vie galante, on meurt tous. Ok Mario. Soigne-moi ce beau monde. Toi t'as de la chance, t'es pas à ma portée. Bien ça. Ça faut que tu crèves mon gars. Allez. Oui, let's go.
Mais reste pas là, mec, tu vas où là? Ouais, bah attends. Non, il laisse la soigner. Faut pas perdre Mario, hein. Faut pas le faire Mario, j'ai dit. Okay, vengeance. Ok, Edge. Bah ouais, mais fallait pas t'approcher. Oh là, on va se faire une dinguerie là. On ramène un pote. Bien. Je vais voir un truc. Oh, 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 parfait. Attends, jusqu'à où je peux aller pour lui faire masse dégâts. C'est ce que je vais faire. Attends, quoi que c'est à ce tour-là qu'on a soigné. Ah ouais, merde. Et ouais, non, du coup, je vais pas pouvoir faire ce que je voulais. C'est pas grave. Hop. Allez. Putain, mais t'es chiant toi. Allez. Oh le bâtard. Aïe 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 aïe. Ouais, en vrai je préfère que tu passes ça. Que tu fumes un peu, tu montes un peu une fois. Alors déjà pour commencer. Ça te dégage. Mais il n'avait pas en face. Ah peut-être pas, hein. Ouais, là tu vas en toucher deux quand même. C'est mieux. Ah,
Elle tombe dans le vide. Ça c'était un bon coup. Oh là 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 là. Eh vas-y, on met évanescence. Hop. Non. Ok. Oh non, la papiche. Ah putain, soin de merde. En vrai, l'idée, ça serait de tuer eux s'ils se re-soignent pas, en vrai. Enfin, s'ils repop pas. S'ils repop pas, faut que j'ai focus. Allez, pitié, touche. S'il te plaît, Luigi. Oh, Luigi. La merde. Ok. Tape de loin ce bâtard. T'inquiète, Luigi, tu survis. Oh non. Pas le choix.
Faut fuir. Fuite, fuite, fuite. Hop. Je peux faire un saut d'équipe. Y'a des ennemis de l'autre côté ou pas? Non, il n'y en a pas. Ok, je devrais pouvoir sauver les deux. Ok. Faut que je me débarrasse de ces putains de trucs qui soignent et tout là. Non, lui je dis. Ok. Donc l'idéal. Faudrait tuer lui. Comme ça, un moins. Let's go. Lui, ça dégage. Mario, faut pas que tu meurs. On va te mettre là. Hop. Alors non. Mais pas là. Y'a des gens pas cool ici. Hop là, voilà. J'ai personne d'ici. Il reste combien de vie lui? Il reste pas mal hein. Et ouais, c'est notre priorité là. Ok, Energy Spark, c'est pas mal ça. Bon, ça change rien, donc toi en vrai, on va te mettre là. Allez! Pas de table à toi.
Bon, faut que je t'achève. Qu'est-ce que tu fous? Oh bordel. Lapin pige dans la sauce. Faut y faire des dégâts. Allez, crève. Hop. Bah si tu bouges, t'es mort. Et parfait, on est esquivé. Parfait. Ouais. Parfait, l'autre était devant. Comme ça, il est mort. Let's go. Ok. Putain. Rien de moi. J'hésite à me barrer, mais... C'est la merde. Ok, toi, on pourrait t'achever. Putain, il résiste. Allez, dégage. Il vient là, il y a moyen que ça aille dégager hors du terrain et que du coup je sauve la pimpiche. Ok. Let's go. Et merde. Je peux sauver les deux. Parfait. Alors c'est pas ce que je voulais faire. Oh, encore ? Dinguerie. Hop.
On va en profiter, je peux faire deux sauts d'équipe. Oh. Ok, on va la voir, on va la voir, on va la voir. Hop, petit soin. Parfait. Oh, tu veux quoi toi? Allez, pitié, faites que ce soit moi. Laissez-moi jouer. Ok. Ok, il y a moyen de réussir ce tour. De gagner à ce tour-ci. Comme ça. Hop. Et là. Là, on lui met tout dans la gueule. Bam. Ok, 1. 2. Let's go. Woo. Bien joué Luigi. Waouh, et ben encore ce combat aurait été très long. Parfait, des prises de compétences là. La statue brisée. Qu'est-ce que... Edge. Il est vrai que Cursa m'a donné naissance. Oh my god. Tu étais une chasseuse de Spark, Edge, n'est-ce pas? Non. Pas seulement une chasseuse de Spark. J'étais leur leader. Cursa m'a donné un avantage, assez de libre arbitre pour mener les troupes et pour penser. Cet avantage m'a permis de voir Cursa pour ce qu'elle est, un trou noir de cupidité s'enfonçant jusqu'aux abysses de la misère. Les chasseuses. Bibi, Minuit, Daphné, j'ai tenté de leur faire voir la lumière et au contraire, elles se sont retournées contre moi. Alors? Alors j'ai pris la route. Essayant de sauver autant de Sparks que possible avant qu'ils ne mettent la main sur eux. Et voilà la vérité. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit car j'ai pensé que vous n'aviez aucune raison de me croire. Aucune. Non. Mais plutôt une centaine de raisons. Merci Bipo de d'enfoncer le clou. À chaque fois. À chaque fois que tu nous as aidé à sauver un Sparks. À chaque fois que tu as genre tout défoncé avec nous sur le champ de bataille quoi. À chaque fois. À chaque fois que tu t'es presque évanoui à la vue de mes énormes biceps en plein combat à mes côtés. À chaque fois que tu te souciais encore des chasseuses de Sparks. Tu fais partie de notre famille à présent. Inutile de nous cacher quoi que ce soit. C'est fini les secrets. Oh, c'est trop mignon, mais vous! Merci. Merci à vous tous.
Allons nous occuper de Cursa. Bon, on va se garder le combat de boss pour le prochain stream et le dernier. Enfin non, peut-être pas dernier, mais... Et vous... J'ai pas gagné un souvenir avec ça. Ah, la statue brisée. Parfait, jeudi on se termine le jeu. Let's gong. Oh. Lors de notre combat nous opposant au double de confusion bre de Edge, j'ai remarqué 4 statues. Une pour chacune des 3 chasseuses de Spark que nous avons rencontrées jusqu'à présent. Minuit, Bibi et Daphné. Et une statue impossible à reconnaître tant elle était détruite. Putain, mais ça ressemble même pas à Edge en plus. Ça ressemble pas à elle ce truc. Bizarre. Ou alors c'est un teaser pour une chasseuse qui sera dans les DLC. Oh, elle serait stylée. Je sais pas. Ou alors rien. Ou alors c'est Edge. Mais avant. Simplement. Et ben... C'est bâtard mais... Ouais, on va se laisser là. Hein. On va se laisser là. Attendez, je vais juste me TP. Alors ça c'est l'entrée. On va se TP là histoire de faire une sauvegarde. Pour être sûr. Et comme ça, je dis, on commence direct avec un combat de boss. En mode. Mode on défonce tout. Hop. Et ben, c'était bien cool. Et des combats très très longs. Hein. On a fait 3 gros combats. Les mythes, ces 3 combats nous ont pris 1 heure chacune. Ou 1 heure chacun. Donc, ouais. C'était violent. Mais c'était très cool, c'était... Ouais, très cool. Et en plus, on n'est pas mort sur ces combats, incroyable. Pour l'instant, ma seule mort, c'est sur un... C'est là où il fallait desprendre les engrenages. Bon. Assez triste, mais pour l'instant, on gère. Hein. On va voir comment se déroulera le combat de boss. En tout cas, on fera ça. Si on le bat en 1 heure, le truc, bah, de toute façon, comme on a dit... À partir d'après, on commencera, on fera les quêtes secondaires. Donc on essaiera peut-être de tout faire, on verra. Et puis après, bah, on pourra changer de jeu en attendant les DLC. Et ouais, on a encore le temps, hein, parce qu'on a quand même skippé beaucoup de trucs secondaires. Donc il va y avoir du truc à faire. Bon, en tout cas, dans tous les cas, jeudi, dernier stream dessus. On se donne rendez-vous demain pour du Minecraft. Et ouais. Bah sur Minecraft, on va faire du Wintel, comme la dernière fois, ça va être trop cool. Du coup, Minecraft 2 fois de suite. Donc mardi, mercredi. Et puis vendredi, 9 jeux. Ça va être insane. Ça va être incroyable cette semaine. Bref, j'espère que ce stream vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour du Minecraft à 20h. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Je vous fais des bisous. Allez, à la prochaine.